Yeah, let's go. Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va tester un peu de cocaïna pourré. Pourquoi je dis ça, moi? Aujourd'hui, on va tester du Keltec. Alors, on va tester ça. Le problème, c'est que c'est pas marqué dessus. Donc je sais pas ce que c'est en fait. Je sais que c'est un Keltec. Je sais que c'est un type de subcompact ou de... Non, même de compact là. Mais je sais pas ce que c'est. C'est marrant parce que c'est un canon tulipé, exactement... Enfin, à bouche tulipée. Exactement comme l'avaient certaines armes anciennes. C'est rigolo. C'est vraiment très très fin. Ce qui fait qu'on l'a un peu mal en main, faut bien l'admettre. Mais bon, c'est Keltec, alors c'est drôle. C'est en 9-19, donc j'ose pas imaginer là-dedans... Comment ça va me péter la main? Mais bon, on va tester ça. Chargeur de 7, qui a l'air sympa à grailler, mais... Non, c'est la cinquième, il est toujours bien, il est toujours sympa à grailler, donc c'est que ça doit être bien. Ok. Un canon extrêmement court qui doit faire 2 pouces. Ok. Allons-y. Putain, quel texte, c'est toujours aussi bizarre. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une DAO? C'est une SAO? Non, c'est une DAO, manifestement. Oh! Ah ouais! Oh, une double action très très souple. Je suis où? Ah, ça fait mal, sa mère! Aïe! Putain, c'est pas agréable, ça! Ah tiens, c'est marrant, il est réglé visuel bas, apparemment. Aïe, putain. Ah non, c'est pas le top de l'agréable. En revanche, c'est sympa, c'est une super double action, putain. Là, je suis... Mégusta un peu, là, quand même. Mégusta, bon, baila, le ritmo de la noche, tout ça, tout ça. Non, c'est rigolo. Oh, tiens. Fais voir d'une main. Ouf. Alors, donc je le tiens à deux doigts, hein, ça va sans dire, et je le tiens très très mal. On est très très mal dessus. Ça décolle et c'est rien de le dire. Ouh. Ça décolle et c'est vraiment vraiment rien de le dire. Hein. Ouf. Mais c'est vraiment assez rigolo, je vais te dire. Juste oui. Bon. Petit tir rapide, même si je sens que ça va être funky avec ça, parce que ça doit être quand même chiant à remettre en batterie. Mettons que je sois face à un truc extrêmement bizarre du style kangourou des neiges, et qui soit agressif envers mon intégrité physique. J'ai un peu Keltec gravé dans la main au laser pyro. Graveur. Ah! Bon, le carton, c'est un peu n'importe quoi, mais... Oui. Ah, mais nique ma mère. Aïe. vous savez quoi? Je vais finir le paquet. Ça me fait un peu marrer, quand même. Je dois bien admettre. Ça, c'est... Ouais, non, c'est au moins un peu fun. À défaut d'être efficace, c'est un peu fun.
décolle. Putain, j'ai pas encore fini. Aïe, mais putain. Mais matez-moi ça, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai l'écran imprimé dans la main, ça fait mal. C'est très léger, c'est très sympa, c'est très maniable, mais alors... Waya. Ah, c'est particulier, hein. Ah ben non, il y a pas besoin de le désarmer, hein. Évidemment. Non, mais c'est rigolo. C'est même pas une mauvaise note, je vais vous dire, parce que ça m'éclate un peu. Caltech, décidément, il laisse... non, il laisse pas de marbre, hein. Ça, il n'y a pas photo, il laisse pas de marbre. C'est des organes de visée réglables, en plus. Mais qui sont bons, hein. C'est bien foutu. C'est... Ouais. D'accord. Ha 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 ha